Mesdames et messieurs, pour un petit SOS faire 4, et nous avons notre candidat. Oui, monsieur, le Nunu ici présent, qui était donc le Warwick la dernière fois. Et donc là, il change de pick. C'est un mec qui joue plein de picks. Il prend que l'item, il prend pas de pink ward. Moi, je prends la pink ward à la place de ça pour gagner un peu d'argent pour le prochain match. Peut-être que lui, c'est une autre stratégie, on ne sait pas. On est face à lui sur Andrews à ma gauche. Attention, il a un skin, mais il a un heal avec son summoner smite. Peut-être qu'il a un heal pour pouvoir finir sa jungle, on ne sait pas. Évidemment, le but c'est de rigoler un petit peu sur des joueurs qui sont un peu inexpérimentés, c'est drôle. On donne aussi quelques conseils et on s'amuse bien. Il y a aussi une série dans laquelle je casse et j'analyse les erreurs des subs dans vos ranked, les gars. Que ce soit la jungle ou autre chose, si vous voulez jouer d'autres persos, libre à vous de jouer en mode difficile. Qu'est-ce qu'il prend en premier sort? Le Z, ok, parfait. Notre collègue prend le Q-spell et ça pull directement. Mais bien sûr. Mais voilà, au final. Non, en faire 4. Mais en faire 4, les gars, ça pull. Alors, je vous avoue que je vais pas vous mentir que j'ai des games en diamant 2 où ça pull pas. Fils de pute. Parce que des fois, il me casse bien les couilles. Hein. Pas ce mytho. Bon, du coup, il a contre Malphite top lane, ok, pourquoi pas. Il a eu, c'est bien contre les tanks, donc je pense que son matchup est favorable. D'autant plus qu'on voit que le Malphite met tous ses sorts level 1, donc c'est pas forcément une bonne idée, sachant qu'en face on a des Corrupting Potion et tout, donc à voir. Je suis pas fan de ça. Il joue un cookie aussi, donc je pense qu'il veut peut-être le lean. Est-ce qu'il joue Ignite? Non, il joue TP. Ah, oh, du coup, compliqué à mon avis. Hein. Ah, le Q-spell qui rate, écoutez, il a eu. Allez, prends des risques, hein. Malheureusement, attends, ta culte qui va toucher. C'était pas un fan de Hantai, il s'est fait casser la gueule. Notre Malphite qui meurt, minute 2. Ah, oh non, il prend pas son. Ah, oh, il prend pas le E. Il a pas pris le E, tête de ma mère, gros. Il a pas pris le E. Mais non, quand même. Ah, il le prend. Le Malphite. Malphite qui TP. Plus beaucoup d'HP, on a envie de le finir. Attention, il a oui quand même. Ça peut surprendre, hein. Le Z qui heal un petit peu. Aïe, aïe, la tentacule qui va lui casser la gueule. Il va... Là, il est... Ah oh, non, il va se faire des... Ah, j'avoue qu'un débutant qui affronte une Yaoi... À mon avis, c'est dur. Ah, Kambi vide. Ah, excusez-moi, ouais. Notre collègue nu qui récupère son farm, qui a l'air d'être en galère, hein, dans la jungle, hein. Ah, j'avoue. Ah, il a ganké, pardon, excusez-moi, il a ganké le mid. Gamer Flopak qui m'avait pas beaucoup impressionné sur son Warwick. Hein. J'avoue, son Warwick, il était un peu narcoleptique, il faisait un camp, il arrêtait de jouer pendant 40 secondes. Donc, il y a aucune vanne. C'est une tourelle, hein. J'aime trop. C'est tellement mignon. C'est tellement chou. J'aime trop. Par contre, vraiment, il se rend pas compte, hein. Il a c'est pas du tout un perso aussi facile à tuer que ça, hein. Oh là 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 là. Ah, une game de type agressive, hein. Oh là, par contre, ça straight kill en middle. Premier action au mid. Puis beaucoup de points de vie. Oh, le sidestep de la part de la Diana. Non, elle y va. Enfin, quand même. Respecte-le quand même. Ah, il joue sur mobile, je crois. Hein. Ah ouais. Un homme créatif, mesdames et messieurs. Et le Nunu qui tente un gank un peu tout seul, hein. Il joue comme un Asus, mais il a pas l'Asus. Aïe, 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 tonton. Ah, il me fume. Alors, je vous avoue que je pensais que le Volibear allait puer la merde. Parce qu'il joue quand même heal smite. Mais il a fait bonne lucidité, ce qui est plutôt rassurant. Par contre, jouer Malphite contre une Illaoi. Surtout que la Illaoi, en vrai, elle a l'air correcte. Hein. Notre joke, la Illaoi, je trouve, elle a l'air correcte. Elle est pas insane, tu vois. Mais elle a l'air d'avoir compris ce qu'elle devait faire. Elle essaie de prendre le E. Elle essaie de Z pour essayer de se heal. Franchement, je trouve que ça va. Elle se débrouille bien, genre. C'est chaud, c'est Mathéo et ça va tomber malheureusement côté de notre Loïc. Loïc, te plaigne tous les Loïcs en sueur. Le Nunu qui va gank la Diana, mais... Aïe. Aïe. J'avoue que Malphite, il est mort deux fois, frérot. Il avait pas acheté d'item, hein. Il s'en bat les couilles. Hein. Il a pas le temps. Je trouve que la Samira ça va carrément. La Diana aussi je trouve ça va carrément. Oula, par contre la Diana ce qu'elle vient de faire là c'est... Aïe. C'est mauvais signe parce que là c'est plutôt bien joué ce qu'elle vient de faire. C'était très propre. Le Q-spell, le E dashé avant que le Q-spell touche. Donc elle sait aussi qu'elle peut récupérer. En gros, quand vous avez le Q-spell, si votre Q-spell touche après votre E, ça récupère votre E quand même. Que gros le sort est en mémoire quoi. Elle a l'air de jouer très correctement. Oh le Nunu. Notre Gamer Flopa. Gamer Flopa, j'espère qu'il va kill. En vrai je l'aime bien. Oh non, ça dégoûte. Le heal. Le heal du Volibear, le Big Brain. C'est pour ce moment les gars. C'est un bait. Qu'est-ce qu'il fallait là? Ça me flingue. Ah, je suis dégoûté pour lui parce que en vrai je l'aime bien. Non, dommage. Le double tentacule là qui aurait fait très très mal. Nico qui fait tous ses sorts dans le vide, mais c'est dommage. Elle aurait dû jouer auto-attaque, je crois. Oh, elle va pas l'avoir du coup, oh la tristesse. Là, elle va grid, hein. Là, elle va turbo grid tous les jours, hein. Oh, bien joué. Le smite pour se guérir, c'est plutôt bien joué. Le bon shield derrière, c'est pas mal. Le clone qui a un peu bait. Et l'ultimate directement. Il a pas de R, je pense, donc il peut mourir, là, à mon avis. Oh non! Non!
Oh, c'est si insatisfaisant. Il a dû casser son clavier. Je suis mort. Le flash sur place et tout. Aïe, aïe, aïe. Oh, il est mort. Il est mort, il est mort, il est mort, il est mort. Oh, le con. Il a l'air de se diriger vers une lentille, donc je pense que ce passing item est bizarre. Parce qu'en vrai, la lentille aurait vraiment fait le taf. Brumblevest contre des persos qui se heal type Fiora, type Illaoi, c'est pas mal du tout. Hein. Pas mal joué, ça. Bien joué par le set. Bel engage. Ah, le qui a raté. Bon, ça, il s'est quand même de la part de la Samira. Samira qui, je trouve, fait des trucs intéressants. La Diana aussi. Malheureusement, la Diana m'a l'air beaucoup plus forte que la moyenne, mais on verra. Ultimate de la et le gamer floppa qui récupère le kill. Et il y a pour l'exclamation display, les gars, vous avez 35% de réduction, les gars, sur tous les displays d'ailleurs. Tous les sets du site, littéralement. Parle, les gars. Le bon grab de 7. Bon, malheureusement, le positionnement sous la tour adverse, c'est peut-être pas le meilleur délire, mais il y avait de l'envie. Alors, c'est un peu le bombier. Oh, le bon langage de la part de Maokai. Maokai qui fait le taf, hein, vraiment. Maokai qui fait un travail exceptionnel, mesdames et messieurs, là-dessus. Et le Maokai qui fait en plus un Liandry. Liandry plus Demonic Embrace, probablement sur un Maokai AP. Les Pikmin font beaucoup, beaucoup de dégâts quand vous les mettez dans les bushs. Donc, vous les mettez en gros dans les fougères. Le truc fait vraiment beaucoup de dégâts. Attends, quand on sort de la zone, on prend un slow. Donc là, il est ralenti. Il y a une tentacule qui apparaît, qui essaie de vous toucher. Il y a deux tentacules qui vont apparaître. Elle essaie de taper, vous voyez. Et là, il y en a une deuxième qui va apparaître. Et s'il le sait pas, il va se faire toucher. On doutait un peu, j'avoue. Ils se barrent, ils veulent back. Ils tapent leur meilleur back. Et ils se font casser la gueule. Oh, le Warwick, le Nunu. Oh, bien joué ça. Oh là là. Oh la dinguerie. Ça part de là. Il est full armor. Bon, what? Oh là, il y en a qui a pushé la tourelle T de top. Ah oui, d'accord, j'avais pas vu. Bon, oui, c'est ça. Parce que c'est 600 gold, les gars. 600 gold la tourelle T de top. Donc, en année, il va avoir beaucoup, beaucoup de gars dans la poche. Hein. Ah, 2300, ah, ouais. Oh. Il y a un dégât de la Samira qui a essayé de mettre le maximum de dégâts avant de mourir. Parce qu'elle était morte par Ignite, quoi qu'il arrive. Donc, fallait qu'elle essaie de se sustain peut-être avec un peu de chat. Ça peut peut-être passer. Ah là, par contre, gros, tu te rends pas compte, hein. Ah, bah, mon ref Diana, tu te rends pas compte de ce que c'est qu'il a, ouais, gros. Ah, il a, ça fait mal, hein. La Diana est 100% mid au silver. Oui, je pense que la Diana, c'est un silver. Le Volibear, alors, je sais pas trop comment il a fait, parce qu'il avait pas pris son E au level 2. Mais là, il a quand même pas mal de CS, hein. Il a 86 CS, c'est pas mal du tout. Là, j'aime bien. Faut mettre le E, les gars, au moment où vous avez touché votre A. Parce que votre A se tenait une seconde. Donc, en gros, quand vous mettez votre E juste avant, le mec est un peu déçu, tu vois. Et quand vous le mettez votre E, sachez que les adversaires ne voient pas la zone dans laquelle le E atterrit. C'est quoi les gars comme idem ça? Sunfire, comme ça? Moi je fais pas Sunfire. Je fais pas Sunfire, donc je pense que Sunfire en général les gens aiment bien les dégâts donc. On tente des trucs! Nice, bien tentaté. Alors ça faut reculer par contre. Là je pense qu'il faut le respecter. Là il peut se faire casser la gueule. Il a raté son E. Ah ok d'accord, bon je comprends, il y a un gank. Ah il monte tous ses sorts, c'est terrible. J'allais dire, est-ce qu'il a vraiment axé son E? C'est dommage. Là, fallait qu'il max son E pour. Surtout qu'en plus, quand tu vois, quand t'as un joueur en face qui est bien bien nourri, là, la Diana est bien bien nourrie. Oh, bien joué, bon timing. Très propre ça. Très bien joué, mon ref. Non, la Brotobelle pour essayer de sortir, c'était pas mal. Non, il a raté ça. En vrai, tuer une Illaoi sans anti, c'est vraiment pas si facile. Après, là, je pense qu'il va peut-être mourir parce qu'il a raté son E. Ouais, bah, même pas, hein. Là, dites-vous qu'en plus, là, il joue sans eux. Et il moue avec les mauvais sorts en plus. Faut vraiment avoir un anti pour Illaoi. Et mais le truc, c'est que tout le monde le sait. Donc, enfin, beaucoup de gens le savent. Elle ulti avant de grab, ça rend fou. Ouais, c'est dommage. En gros, l'idée avec Illaoi, c'est que quand vous grabez un joueur, eh bien, vous chopez un joueur autour de vous. Et ça fait deux joueurs autour de vous si vous grabez un joueur. Et quand vous faites votre ulti, vous allez choper des tentacules pour chaque joueur autour de vous. Pour chaque joueur, c'est une tentacule en plus. Donc, du coup, l'idée, c'est essayer de le mettre sur deux joueurs plus un clone avec le E. Du coup, ça fait pas plein de tentacules. Et quand vous faites votre Z, ça atomise tout le monde. Et ça clutch vraiment beaucoup. Donc, franchement, ça peut. C'est assez beau jeu et le perso est pas mauvais du tout. Bon, normalement, en général, on évite de fight Illaoi quand elle a son ulti parce que ça fait vraiment très très mal. Hein. Là, il s'est fait casser la gueule. Hein. Le Volibear, il enchaîne. Hein. Il se fait casser la gueule, mais il y retourne. Gros. Il se refait casser la gueule. Bon, Gauntlet Giron, c'est très bien. En vrai, le stuff du Volibear est très bien. No joke. Alors, après, je sais pas du tout si c'est quel timing. Oh là, le Z. Mais il y avait trop d'épisodes. Ah, c'est pas de bol en vrai. Hein. C'est pas de bol. Malheureusement, encore une fois, le E, je crois qu'il est raté. Enfin, je vais vérifier. Ah, terrible. Bon là, en vrai, à sa décharge, c'était dur à voir. Si tu connais pas beaucoup le jeu, Maokai a très bien joué le coup. Je sais pas si c'est de la chance ou pas, en tout cas, c'est super bien joué. Parce qu'en fait, il a dashé au moment, en fait, la frame d'invulnérabilité. En fait, du coup, c'est un peu dommage. Il a moins de tentacules que ce qu'il pourrait avoir. Et il a pas non plus une tentacule naturelle ici. Parce que vous voyez qu'il y a pas de passif qui a pas ici. En fait, avec Illaoi, t'as envie de préparer le terrain. T'as envie de mettre une tentacule là, une tentacule là. Tu prends un clone, tu appuies sur R, t'as 5 tentacules, 6 tentacules. Avec Illaoi, quand t'as rien pour se fight, tu te fight pas. Oh, c'était pas si mal tenté, malheureusement, il a sous-estimé l'intelligence de ses adversaires, parce qu'il s'est... Oh, waouh, voilà dinguerie, voilà dinguerie, il se l'est pris, quoi. Oh, le boss, et il a eu qui carie sa mère, hein, no joke, hein. Et en vrai, je pense pas qu'il est très bon. Je pense que le perso fait beaucoup, il joue vraiment pas très bien. Genre, il rate plein de trucs et tout, et malheureusement, c'est dommage, parce que s'il jouerait bien, il pourrait 1v9 de ouf. Alors que là, c'est un peu la crise, quoi. Son stuff a l'air pas trop mal, par contre. Mais son stuff est très bien.
Oh, c'est dommage, ça va pas pouvoir kill, je pense. Si seulement la Illaoi avait survécu quelques instants de plus, c'était terminé. Hein. Terminado. Le Nini m'extermine, gros. Ah, il me flingue, gros. Ah, je l'aime trop. Ah, je l'aime trop, il me tue, j'adore. Ah, il me tue, gros. Il m'extermine. Personnellement, si c'était qu'à moi, je conseillerais de faire une gargouille. Je pense que la gargouille c'est très très fort, mais je pense que c'est très sous-estimé à bas niveau. Parce que je pense que la gargouille c'est vraiment très fort, parce que quand t'es le HP, tu peux temporiser. Et en plus, tu peux bait l'équipe adverse à vouloir encore plus stall-in. Donc je pense que la gargouille ça pourrait vraiment faire le taf. Oui, on va voir. L'agression, le Z, ok. Le 7 il va mourir malheureusement. Il est pas très tanky. Voyons voir son stuff. Ouais, il a fait de la D. Je comprends, mais je pense qu'il vaut mieux jouer full tank quand c'est comme ça. Parce qu'en plus, là, il a potentiellement un bon allié en la présence de Illaoi. Ah, ça, par contre, ça va pas être un bon allié, hein, j'avoue. Ouais, le Maokai est vraiment très fort. Hein. Le Maokai est vraiment très bon parce que je pense que son perso en plus est limité et. En vrai, le Maokai est vraiment très très fort. Bien joué ça, let's go. Et là, Nini qui prend le shutdown, let's go. Bon, on a plus d'inhibiteur, par contre, c'est un peu la sauce. On est à poil, mais il le prend, il est là. La bouboule, il a vraiment des grosses couilles. Hein. Il a des couronnes, crocs et son comas. Hein. Et là, il qui continue à tenter d'un V9. Malheureusement, il est. Avant d'avoir grab, c'est dommage. Ça peut lui coûter un peu cher, mais on y va. Les tentacules. Lui, il a beaucoup d'armes, par contre, je pense. Hein. Il a 158, ça va. En vrai, ça va. Peut-être faisable. Par contre, je crois qu'il a fait un dentil, non? Non, pas dentil, let's go. Pas dentil. Pas de Illaoi qui meurt, mon ref. Hop. Non, je t'assure. On a la tente mail côté de Malphite, ça c'est quand même une mauvaise nouvelle pour lui. Le Drake qui tombe, mais la munition pourra rien faire. Là en vrai, Diana est vraiment au-dessus de la moyenne et le Maokai aussi. La Samira, je trouve ça va. Le Malphite, il est un peu à l'ouest, j'avoue, je vais pas mentir. Illaoi, en vrai, je pense pas qu'elle est très très bonne, mais je pense qu'elle a compris son perso. Et ça, comprendre un peu les fondamentaux de ton perso, c'est vraiment important. Faut juste qu'on l'aide un peu à corriger, à faire le E avant le R. C'est important, je pense. Mais elle a compris des trucs, elle fait un bon stuff. Là, malheureusement, elle a fait tant de mail, je m'en doutais. Elle aurait dû faire gargouille. Avec la gargouille, vraiment, elle serait beaucoup plus forte, mais elle s'en rend pas compte. Aïe, 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 le dépop. Illaoi, habite pas sur avant tourner, s'il te plaît. C'est trop tard. Gargouille, maintenant là, pour avoir elle a arrêté pixel. Malheureusement, on a double anti-heal ici. Et bah, bien joué, belle game. En vrai, belle game. J'ai adoré l'impression de Illaoi. Le nul m'a fait trop rire. Bien joué à lui, c'était plaisant. Le heal, honnêtement, je pensais qu'il allait être nul à chier. Pour être honnête, je pensais que ça allait être le pire joueur de la game. Ou l'un des pires joueurs. Et en vrai, bah, je trouve que ça allait carrément. J'avais beaucoup aimé son stuff. Je pense que c'est vraiment un bon stuff. Moi, j'aurais fait un début de temps mail juste Brumble Vest. Mais après, il y en a eu d'autres. Mais bon. Il a voulu tenter beaucoup d'un V1 contre Illaoi, mais comme il avait pas de Bumble Vest, bah. Bravo à Maokai. Franchement, Maokai était très fort. Et c'est très impressionnant. En vrai, la game était vraiment fun. Toujours une dinguerie, ouais.